Monsieur Jacques Boisson, secrétaire d'État. Monsieur Stéphane Valéry, président du Conseil national. Monsieur Didier Deschamps, parrain de l'Association des Amis du Liban et son épouse, Madame Claude. Dignitaires présents, distingués invités, mesdames et messieurs. Nous sommes réunis ce soir autour d'un objectif commun, celui de permettre à des jeunes filles au Liban et au Niger, pays d'intervention de nos deux associations, d'accéder à l'éducation secondaire. Quel meilleur investissement que celui de l'éducation ? L'AMAD, à travers son programme Dignité pour les femmes, est à l'origine d'un ambitieux projet au Niger pour la construction de collèges en milieu rural et la promotion de l'accès de jeunes filles au secondaire dans un pays où 4 fillettes sur 5 n'iront pas au collège à l'issue du primaire. La Sofibank, pour mémoire et pour rappel, soutient le programme Dignité pour les femmes de l'AMAD en République démocratique du Congo, où nous appuyons notamment la protection de jeunes filles accusées de sorcellerie, ou bien encore la prise en charge psychosociale et médicale de jeunes filles victimes d'abus sexuels dans le Nord Kivu. Je remercie la communauté libanaise et l'ensemble des intervenants qui ont su se mobiliser pour faire de cette soirée un moment de partage et de convivialité. Rendre hommage à la personne qui m'a permis de rencontrer l'AMAD, qui m'a permis de rencontrer la princesse, qui est brésilien, j'ai noté une phrase d'un écrivain, donc si vous permettez, je vais vous la lire. À tout être humain ont été concédées deux qualités, le pouvoir et le don. Le pouvoir conduit l'homme à la rencontre de son destin, le don l'oblige à partager avec les autres ce qu'il y a de meilleur en lui. On va commencer avec le premier lot de ce soir. Et ce qu'on vous propose, c'est de pouvoir enchérir et de mettre votre nom sur cette rose, qui est une nouveauté, et de pouvoir avoir votre nom sur la rose. Elle sera, on vous livrera 100 plantes, et cette rose sera exceptionnellement réservée pour vous. Merci. Adjugé. Je vous présente musicien, compositeur et pianiste arméno-libanais Guy Manoukian.
numéro 149. Le numéro 143. J'appelle le numéro 204.